Bonjour, c'est vrai que sur cette musique, on danse, on frétille, on tente voilà, d'être en rythme pour vous accueillir. J'espère que vous faites la même chose. C'est vrai que c'est quand même un générique que vous entendez depuis de nombreuses années. Nous, on l'aime bien et il est hors de question d'ailleurs qu'on le modifie. Et on a deux invités exceptionnels. On revient en arrière, c'était le week-end dernier, on était en compagnie de Philippe Croizon. Il a perdu ses pieds, ses mains. C'est un grand sportif. Il fait de la compétition. Et puis l'humoriste Caroline Vigneault. Et ça, c'était dimanche. Mon invité n'a ni pieds ni bras. Et pourtant, il a toujours la banane. Il est sur le plateau et c'est Philippe Croizon. Bonjour. Bonjour, Catherine. Votre vie a complètement basculé. C'était le 5 mars 1994. Je veux démonter l'antenne de télévision. J'avais bien vu la ligne électrique derrière. Et je me suis dit, ça va passer. Et pour avoir plus de force, j'ai posé mes deux tibias sur le barreau de chaîne d'aluminium, ce qui a créé un contact avec la Terre. Et après, 20 000 volts ont traversé mon corps. À la suite de votre accident, vous êtes resté entre la vie et la mort hein, durant 3 mois. Hein. Oui, quand je me réveille, il me reste la jambe gauche. Et effectivement, je pleure, je crie, je hurle. Mais il reste cette jambe. Je dis, ils vont me la sauver. Et quelques jours plus tard, il m'explique que malheureusement, la moelle osseuse est brûlée et qu'on ne peut pas sauver ma dernière jambe. Et là, oui, je tombe. Quelle va être ma place aujourd'hui? Est-ce que je vais exister au sein de ma famille? Est-ce que je vais exister au sein de la société? Enfin, est-ce que je peux vraiment encore exister sans bras et sans jambes? C'est un oncle de mon ex-femme qui vient me voir et qui me dit, écoute, j'ai perdu mon papa très jeune, toi, t'es encore là. Il y a Jérémy, ton petit garçon qui t'attend, et surtout, il y a Grégory, parce que mon petit bébé est né 2 mois après l'accident. Et il me dit, ça serait bien que tu sois là pour guider tes deux petits garçons sur le chemin de la vie. Et là, ça m'a réveillé. Un nouveau coup de jus cette fois-ci, mais virtuel. Mais je dis, ouais, je vais décider de vivre pour mes deux petits gars et aussi pour moi. Alors, obsession après du challenge. Qu'est-ce qui vous motive? C'est l'exploit? C'est l'inédit? C'est l'envie. Le jour où j'ai traversé la Manche à la nage, pendant une semaine, je suis monté en haut de la falaise, je regardais la Manche et je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi passer. Laisse-moi passer, parce que si tu me laisses passer, waouh. Si tu me laisses passer, ma vie, elle va changer. Et ma vie a changé parce que j'ai traversé la Manche. On a été au bout. Oh là là, je t'avais dit que j'étais très émotif. Racontez-moi l'anecdote de l'hôtel. On a un problème de chauffage. Et moi, je suis sur le lit sans mes prothèses. Et le technicien arrive, il se dirige droit sur le chauffage, il ne me voit pas sur le lit. Et il commence à se mettre. Et là, il voit mes prothèses derrière le dos, il fait ah. Et je dis, il y a un problème, il se retourne, il fait ah. Mais le plus beau gag, je crois que c'est ma mère. Avant de partir au Dakar, elle me dit, mon garçon, surtout, tu me reviens entier. Bah, je dis, maman, il va y avoir un petit problème quand même, ça va être un peu difficile. Quelle épitaphe vous aimeriez voir inscrite sur votre tombe? Tout est possible. Bonjour, je m'appelle Caroline Vigneault. Elle est humoriste, elle est au Palais des Glaces, ou l'avocate, l'ancienne avocate. C'est une force ou une fragilité, en fait, pour vous, de ne pas être du sérail? C'est compliqué parce que quand vous êtes avocat, vous avez un diplôme qui vous dit que vous êtes avocat. Donc, voilà, vous l'inventez pas, vous l'avez la preuve sur un bout de papier, vous n'avez pas d'examen. Alors humoriste. Mais humoriste, comédien, acteur, il n'y a rien, je n'ai pas de diplôme, j'ai rien. Alors, c'est vrai que le DVD, en fait, pour moi, c'était comme un diplôme. De voir mon DVD au milieu des autres humoristes dans les magasins, je me suis dit, OK, maintenant, je suis humoriste. L'Olympia, je me suis dit, je suis artiste pour la première fois. Et le film qu'on a fait, comme quoi c'est par étapes, je me suis dit, tiens, bah, ça y est, je suis comédienne. Vous n'aimez pas l'étiquette humour de femme, mais quand même, vous jouez avec votre féminité. Vous pensez que ça, c'est bien d'assumer, en définitive? Il faut. Moi, j'ai pas choisi d'être une fille, je le suis. J'assume d'être une femme, je le vis très bien, mais je veux une égalité en droit. C'est l'avocate ou la citoyenne qui parle? Les deux. On va dire que c'est la citoyenne qui parle et qui utilise les mots d'une avocate, mais... Non, c'est que l'inégalité en droit me rend folle, en fait. Soit l'inégalité sur votre couleur de peau, sur votre sexe, homme ou femme, ou même sur votre sexualité. Je trouve ça fou qu'un homosexuel, on soit obligé de demander avec qui il couche, comment il fait ça, pour lui donner tel ou tel droit. Alors que quand vous êtes un homme, vous êtes blanc, vous êtes hétéro, vous n'avez aucun problème, vous vous justifiez de rien. Avec qui vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur? Brad Pitt, qui est sur le marché, alors j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Sinon, Robert Badinter, j'adorerais. Et puis vous, pourquoi pas vous? Dans l'ascenseur. Bah ouais, comme ça, dos à dos. Une histoire drôle qui vous permettrait de faire sensation au déjeuner dominical? C'est un monsieur qui va acheter une Barbie à sa fille. Donc il va dans la boutique et voilà, la dame fait bonjour. Je voudrais acheter une Barbie à ma fille, est-ce que vous pouvez me conseiller? Elle dit oui, bien sûr. Alors vous avez donc Barbie ski qui coûte 25 euros, très bien. Là vous avez donc Barbie mariage qui coûte 25 euros. Vous avez également Barbie piscine 25 euros et Barbie divorce 450 euros. Alors le père, il dit, mais excusez-moi, pourquoi Barbie divorce, elle coûte 450 euros? Ah, mais monsieur, parce qu'elle vient avec la maison de Ken, la voiture de Ken, le cheval de Ken. Ça, c'est l'humour, Caroline Vigneault. Alors, qui est sur ce plateau, s'il vous plaît? Vous allez vous présenter. Tout d'abord, quelle est votre profession?
Je suis médecin psychiatre et explorateur. Votre situation familiale? Je suis marié avec 3 enfants. Votre obsession dans la vie? Essayer de découvrir l'inconnu, de me dépasser, d'accomplir l'impossible, en fait. Et votre devise? Il vaut mieux essayer et rater que de ne pas essayer. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Bertrand Picard. Bonjour, Bertrand Picard. Bonjour. Vous venez me rejoindre. André Borschberg viendra aussi nous rejoindre. Il est sur ce plateau. Il sera là aussi dans quelques instants. Vous êtes des aventuriers, bien que vous n'aimiez pas ce mot. Des saventuriers, ça vous préférez. Savants et puis aussi des explorateurs. Et vous êtes les héros de cette journée. Merci d'être là. Avec plaisir. Vous êtes des héros aussi de l'année 2016. Vous avez fait, durant un an, un tour du monde. C'était un exploit sur Solar Impulse 2. Alors, on va suivre, évidemment, toutes les coulisses, en fait, puisque aujourd'hui, vous êtes là pour nous en parler avec détail et pour nous dire surtout pourquoi vous êtes, évidemment, lancé dans ce parcours de 43 000 km, ce qui devait durer, en fait, 6 mois, qui a duré un an, qui a été quand même très compliqué à monter. Ça faisait 12 ans, 13 ans que vous en êtes l'initiateur et que vous l'aviez en pensée. Et tous les deux, vous l'avez partagé. Donc, André viendra nous rejoindre. Mais c'est vrai qu'on avait envie de revenir un petit peu sur vous, sur votre enfance. Quel enfant vous étiez, vous? Au début, j'étais un enfant un peu craintif. Et je me suis soigné à partir de 16 ans en faisant de l'aile delta, en sautant dans le vide avec mon carré de toile. Et ça m'a fait énormément de bien de voir qu'on peut toujours faire plus que ce qu'on croit. Donc pas du tout intrépide, comme on pourrait l'imaginer? Non, peut-être intrépide intellectuellement, dans le sens où je posais des questions tout le temps. Je n'ai jamais accepté à l'époque de faire quelque chose sans comprendre pourquoi je devais le faire. Donc j'étais un calvaire pour mes profs à l'école. Mais je pense que c'est vraiment utile. J'ai été éduqué avec le désir de toujours tout comprendre, d'être curieux et d'essayer de savoir. Vous appartenez à une famille d'explorateurs, ça aujourd'hui, on le sait, non pas à une famille qui est vendue surgelée. Hein. Bien que parfois on est un peu surgelé là-haut. C'est certain. Est-ce que vous croyez, vous, à l'atavisme? On vous voit avec votre père et votre grand-père ainsi. Je crois à la force des expériences qu'on fait comme enfant. Et mes expériences à moi, c'était de rencontrer presque tous les astronautes du programme spatial américain, à l'époque des tirs d'Apollo sur la Lune, des explorateurs, Charles Lindbergh, Jacques Mayol, et des gens qui m'ont donné envie d'avoir cette vie d'explorateur. Mais quelle chance vous avez eue? Bon, ça, c'est une immense chance, c'est vrai. C'est un privilège même. Oui, mais ça m'a amené dans cette direction-là. Y a d'autres enfants qui vivent autre chose, qui rencontrent d'autres gens et qui partent dans d'autres expériences, d'autres voies. On peut aussi être artiste, on peut aussi être musicien, on peut aussi être politicien, on peut aussi être menuisier, boulanger, on peut être juriste, on peut faire des tas de choses différemment avec un esprit de pionnier. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de découvrir et d'inventer quelque chose, quelle que soit la voie dans laquelle on est. Les hommes de la famille participent à l'histoire avec un grand H. Vous parlez moins de votre mère et pourtant je sais qu'elle est très importante. Qui était-elle? C'est pas que j'en parle moins, c'est qu'on me pose moins de questions sur Alors, elle. Alors, profitons-en. Mais ma mère m'a amené toute la curiosité par rapport au monde intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu psychiatre. Sinon, peut-être que j'aurais été ingénieur. Qu'est-ce qui fait qu'on vit sur cette terre? Qu'est-ce qu'on doit faire de notre existence? Comment est-ce qu'on peut se remettre en question sur le plan religieux ou spirituel? Donc, des questions pour être existentielles. Plus ouvert. C'est vraiment les questions existentielles. Et c'était fondamental parce que c'est aussi ça qui a probablement amené mon désir de mêler l'émotion humaine à l'aventure scientifique. Vous avez vécu en Floride. À 12 ans, vous revenez en Suisse, qui est votre pays d'origine, et vous affirmez que le retour fut absolument épouvantable. Pourquoi? Parce que j'avais eu l'impression, en voyant décoller des fusées pour la Lune et en rencontrant les astronautes de la NASA, que la vie, c'était ça. Que la vie, c'était l'exploration, c'était l'aventure, c'était excitant, c'était palpitant. Et puis, je suis rentré en Suisse, j'ai repris l'école en Suisse. Le souffle est complètement retombé. Je me suis retrouvé dans une vie normale et je me suis dit, mais alors qu'est-ce que je fais de mes rêves? Qu'est-ce que je fais de mes aspirations? Et j'étais un peu déprimé à l'époque. Je ne pense pas dépressif, mais un peu déprimé. Et je me suis dit, toute mon envie d'exploration est déjà derrière moi et j'avais 12 ans. Bon, heureusement, j'ai appris qu'il y avait encore beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à faire. Votre portrait, Bertrand Picard, il nous est raconté, brossé ce matin par Alexandre Agarde.
Inutile de se demander quel bon vent l'amène sur notre plateau, car Bertrand Piccard est le fils du vent. Ce qui le fait planer, Léonard Cohen d'abord, qu'il ose même reprendre en karaoké. Susan takes you down to her place near the river. L'hypnose aussi qu'il tente sur Catherine, et là, il manque pas d'air. Fermez les yeux, respirez très très tranquillement. Non, Bertrand ne se dégonfle jamais, même si vous lui proposez de traverser notre plateau en ballon sauteur. Mais comment fait-il pour être toujours dans le vent, cet aventurier psychiatre hypnothérapeute? Petit rappel, Bertrand a toujours su prendre de la hauteur. Malgré d'illustres aïeuls, un grand-père Auguste, alias professeur Tournesol, premier homme à entrer dans la stratosphère. Quand on va en ballon, on a toujours envie d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Et un père, Jacques, premier homme à plonger aussi bas avec son bathyscaphe, Bertrand ose à son tour tenter l'aventure. D'abord champion en aile delta, il devient le premier homme parachute. Alors normalement, je fais jamais du premier vol devant des caméras de TV. Et depuis, il file comme le vent. À bord d'un ballon, d'abord, il réalise le premier tour du monde sans escale en 19 jours, 21 heures et 47 minutes avec Brian Jones en 99. L'essentiel, c'est qu'on ait réussi ce vol. Et depuis, il a le vent en poupe. En juillet 2016, il réalise l'impossible en bouclant le premier tour du monde en avion solaire avec André Borschberg. C'est à croire qu'il ne connaît pas l'expression « se prendre avant ». Non, non, j'ai aussi raté beaucoup de choses, ne vous en faites pas. Ah, ouf, rassuré. Alors sachez que vous recevoir sur notre plateau ce matin nous procure un petit vent d'enthousiasme. Je reprends ce que disait Alexandra. Est-ce que vous avez pris vous-même des vents? Mais j'ai raté magistralement des tas de choses dans ma vie. Si je vous parlais de tous mes échecs, il faudrait beaucoup plus qu'une heure. Parce que finalement, j'ai réussi quoi? J'ai réussi quelque chose en delta, j'ai traversé l'Atlantique en ballon, j'ai fait le tour du monde en ballon, j'ai fait Solar Impulse. Là, vous êtes modeste. À part ça, j'ai raté plein de choses. Et pour arriver à réussir quelque chose, je crois qu'il faut passer à travers beaucoup de peurs, à travers beaucoup d'angoisses, beaucoup de difficultés, beaucoup de doutes. Et on ne réussit qu'à ce prix-là. C'est peut-être ça le message le plus fondamental pour les gens qui nous écoutent. Pour tous ceux qui sont un peu déprimés parce qu'ils n'osent pas accomplir leurs rêves à eux. Mais si on ne passe pas à travers des doutes et des difficultés, on n'arrivera jamais à réaliser un rêve. Donc détermination, pugnacité? Oui, volonté. Mais chaque fois qu'on rate, il faut réessayer d'une manière différente. Ça, c'est la persévérance. Si on réessaye chaque fois de la même manière, c'est de l'acharnement. Ça ne marche pas. On reçoit et on accueille André Borschberg qui va venir nous rejoindre, votre acolyte, votre ami, votre frère solaire. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour, c'est la première fois que nous rencontrons tous les deux. Donc vous êtes suisse. Vous racontez donc dans ce livre tous deux cette performance technologique et surtout humaine. Vous avez grandi près de Lausanne. À 12 ans, vous avez découvert en fait les livres sur les pionniers de l'aviation à cause d'un accident de ski que vous avez eu et qui vous a immobilisé pendant 3 années. Est-ce que ça fragilise ou est-ce que ça renforce un gamin? Je pense que tout dépend comment vous le prenez, tout dépend de ce que vous en faites. C'est vrai que sur le moment, c'est extraordinairement difficile, puisqu'à 12 ans, je rêvais de faire du sport, je rêvais de compétition, je rêvais d'être à l'extérieur, je rêvais d'être avec les copains. Donc, se retrouver au lit, bloqué... sur des longues périodes, ça a été très difficile. Par contre, ça m'a permis de m'intéresser à des choses que j'avais peut-être pas observées jusque-là, lire des bouquins sur l'aviation, sur les pionniers, faire mes petites maquettes, commencer à rêver finalement en les regardant d'être à l'intérieur. Et je pense que c'est là que j'ai construit cette envie de voler, c'est là que j'ai construit cette envie peut-être aussi une fois, et il m'aura fallu 50 ans jusqu'à ce que je rencontre Bertrand, hein, de rentrer dans ce monde de pionniers. Donc en fait, en rétrospective, quand je regarde ces années-là, c'est des années de difficultés, c'était des années pénibles, mais qui m'ont donné peut-être le souffle pour faire quelque chose. Donc des années de construction, oui. Vous êtes devenu pilote de chasse dans l'armée suisse, par goût de quoi? Je pense le goût de liberté. Là, vous vous rejoignez, hein. Ah, mais on a quand même beaucoup de valeurs en commun, même si on a des caractères très différents. C'est ça qui nous a porté aussi, hein, c'est d'avoir, je pense, ces valeurs communes, puis de partager des rêves qui sont très profonds. C'est l'armée qui rend libre ou c'est l'avion de chasse? Non, c'est l'avion de chasse, mais c'est vrai que j'ai découvert finalement un mode de vol et puis une camaraderie que je ne soupçonnais pas. Pour moi, l'armée, c'était quelque chose de rigide, c'était la discipline, c'était exécuter des ordres. Vous trouvez dans un avion de chasse... Vous êtes le maître à bord, vous devez remplir une mission, mais c'est à vous de définir finalement la manière de le faire. Donc vous avez cette liberté-là, vous avez cette capacité d'entreprendre pour le bien, je dirais, de la mission, de ce qu'on vous a donné. Bien évidemment,
Mais ça m'a beaucoup ouvert, en fait. Hein. Ensuite, vous êtes venu conseil, vous avez créé des entreprises, et puis vous avez pris une année sabbatique. Je crois que c'était en 2000, me semble-t-il, donc il y a maintenant presque 17 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette année sabbatique? Parce que là aussi, c'est une parenthèse, une longue parenthèse. Tout marche, tout va bien. Et pourquoi on s'arrête? J'en ai pris deux, en fait. J'en ai pris une d'abord en 86. Et j'y ai pris goût, après. J'imagine. Et en 86, vraiment, j'ai découvert que ça me donnait la possibilité de rencontrer des personnes que je ne rencontrerais jamais. Et en 2000, j'étais en train de travailler sur mes activités professionnelles qui me plaisaient, mais qui ne m'excitaient pas, je dirais, outre mesure. Et je me suis dit, prends un peu de distance, prends un peu de temps, essaye de faire quelque chose que tu ne sais pas faire, que tu n'as jamais fait. Et pour moi, c'était le social. J'avais participé à des activités sociales, d'aide, d'entraide. Mais lesquelles? J'ai regardé à l'extérieur, j'y connaissais rien. Et puis, je suis tombé sur deux associations. L'une qui s'occupait de malades du sida. À l'époque, on mourait encore du sida. Aujourd'hui, c'est donc différent. Donc, en fin de vie. Fin de vie, exactement, de l'accompagnement. Et l'autre, ce qu'on connaît bien en France, un peu les Restos du cœur, comme Coluche les avait développés à l'époque. Et je voulais participer là-dedans, découvrir, finalement, voir comment je pouvais aider, pas financièrement, mais aider avec mon temps, aider avec mon énergie. Et le but aussi, c'était de dégager, je dirais, mon esprit de ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de monde. Et par un chemin qui est assez extraordinaire, finalement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc finalement, cet arrêt-là m'a donné la possibilité de rentrer dans ce rêve que j'avais développé à l'âge de 12 ans. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on fasse de la place. Là. Mon but aujourd'hui, c'est d'avoir un agenda qui est rempli à 80% pour pouvoir avoir de la disponibilité. Et c'est cette disponibilité qui permet d'enrichir la vie. André, lorsque vous êtes rencontrés tous les deux, est-ce que vous avez été méfiants l'un de l'autre? Non. Non, pas du tout. Moi, j'ai vu André, je me rappelle qu'on s'est dit bonjour monsieur. On avait chacun une cravate ce jour-là. On s'est rencontrés. Donc, on est en quelle année ? En 2003, au moment où l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne a accepté de mener une étude de faisabilité pour mon idée de tour du monde en avion solaire. Et ils ont eu l'idée excellente de prendre André pour diriger cette étude. Et on s'est rencontrés, je me suis tout de suite dit, ça c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de m'associer. Et c'est ce que j'ai proposé à André assez rapidement. On était complètement différents. On avait des compétences différentes, mais on avait, je pense, la même force, mais d'une manière différente pour atteindre nos buts. Et finalement, ça a donné le ton de Solar Impulse. Et c'est ça qu'on raconte dans Objectif Soleil. C'est finalement comment, avec des caractères très différents, en construisant une relation comme on l'a construite, on arrive à effectuer l'impossible. Est-ce qu'il y a eu un défaut qui vous a agacé dès le départ, chez Bertrand? Non, certainement pas agacé, mais j'ai trouvé des particularités qui le rendaient très intéressant. Alors peut-être de temps en temps difficile à appréhender, à fonctionner, à développer la collaboration. Mais j'ai senti quelqu'un qui était extraordinairement, j'allais dire têtu, parce que ça c'est justement c'est le côté négatif, mais têtu dans le sens qui, quand il a une idée, quand il a quelque chose dans sa tête, il va trouver la manière d'arriver au bout. Donc, ce n'est pas l'obstination bêtement en disant « c'est là que je vais aller », non, c'est la persévérance, c'est trouver le chemin. Alors, justement, ça rend des fois la chose difficile à vivre parce qu'on sent qu'on a quelque chose de très fort en face de soi, mais c'est vrai que c'est une force assez exceptionnelle qu'il a au fond de lui. Et ça, ça m'a beaucoup plu, en fait. Hein. J'ai senti ça m'a beaucoup plu. Est-ce que vous pensez que c'est suisse? Non, parce que moi, je suis plutôt assez désorganisé. Et ce que j'ai trouvé fantastique chez André, c'est la force d'organisation, la force pour mettre en place des structures. Donc vous avez compris, ils sont totalement complémentaires. Ils vivent dans le même pays, ils vivent pas loin l'un de l'autre. On vous a rencontré chez vous, sur place. Bertrand vous a retrouvé à Lausanne. Vous, André, vous nous aviez donné rendez-vous à Nyon, sur le lac Léman, pour une balade. Dans les airs, of course, Alexandra Agard et Paul Touvenat. Bienvenue en Suisse, bienvenue à la maison. C'est un gong que nous avons ramené de Bali. C'est un peu le symbole de la spiritualité dans cette maison. J'ai grandi, en fait, ici, entre Lausanne et Genève, au bord de ce lac. C'est aussi une maison qui est très économe en termes de consommation d'énergie. Ça, c'est important. L'eau est extraordinaire, hein. L'eau est limpide, l'eau est propre. J'essaie de me baigner tout l'hiver. L'eau a quand même à peu près 10 degrés. Donc, c'est quand même frais.
Avec un petit peu d'habitude, c'est extraordinaire, c'est magnifiquement stimulant. Il y a beaucoup d'écrevisses, c'est intéressant, hein, je fais de la pêche à l'écrevisse. Et alors vous, c'est à la fois l'eau et l'air. Et c'est l'air. Je me sens vraiment à l'aise, je me sens bien, finalement, dans un avion, je me sens presque plus confortable que sur Terre. Alors, on y va ? Alors, on est sur un petit aérodrome. Il n'y a pas besoin d'autorisation. Donc, je peux venir ici, ouvrir le hangar, sortir l'hélicoptère et puis partir. C'est comme utiliser sa voiture, c'est magnifique. Et vous imaginez quand on aura ça, qui puisse voler de manière électrique, sans bruit, sans pollution, qu'on puisse l'utiliser dans les villes, passer de l'ouest de Paris à l'est de Paris en 5 à 10 minutes, ça va être extraordinaire. Et c'est le but. Et bien, allons-y. On peut vous faire confiance ? Est-ce que vous êtes un bon pilote ? Vous avez peur ? L'hélicoptère, lui, permet de se poser n'importe où, d'être très flexible, d'être très souple. On vole à quelle vitesse, là ? Là, on vole à presque 200 km à l'heure. C'est un peu la vitesse normale d'un hélicoptère. C'est beau, là. Avec un petit rayon de soleil, ça aurait été encore plus intense, là. J'ai eu l'occasion de faire mon premier vol solo quand j'avais 15 ans. J'ai eu ma licence de vol quand j'avais 17, donc avant de pouvoir toucher une voiture, j'avais déjà mon permis de vol, qui était extraordinaire, c'était presque un peu fou. Alors l'hélicoptère, c'est vrai, c'est venu un petit peu plus tard, il y a à peu près une vingtaine d'années, mais c'est un objet qui me passionnait aussi, c'était extraordinaire à voler. Et en fait, quand j'ai rencontré Bertrand quelques années plus tard, j'ai l'impression que tout d'un coup, une porte s'ouvrait sur ce monde de l'enfant, sur ce rêve. Voilà, on est de retour. Bienvenue. Figurez-vous qu'on a failli venir en hélicoptère. Ça m'étonne pas qu'André ait envisagé de vous amener ici. Il peut se poser juste à côté de la maison. Ben là, vous voyez un peu tout mon rêve d'exploration, d'aéronautique. Mais il me reste quand même cette nostalgie qui est un petit peu ce qui me pousse en avant. Moi, ça fait 30 ans que j'ai commencé à collectionner. Regardez ça. 1920, une théière. J'ai trouvé à Alep, dans le nord de la Syrie, à l'époque où c'était la paix, l'harmonie. C'est peut-être le seul objet d'Alep qui est encore entier aujourd'hui. Ça appartenait à Amy Johnson, qui était une pionnière anglaise de l'aviation. Vous avez la petite bouteille à Porto. L'avion de Lindbergh en bouteille de parfum. Ça sent encore. Et ça, c'est des années 20, coquetier. Je suis collectionneur, je ne suis pas fétichiste. Les objets, c'est plutôt ce qu'ils émanent comme humanité, comme espoir, comme rêve. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est que vous avez des cases comme ça en 1940. Aujourd'hui, on ne vole plus avec ça. Mais pourtant, on utilise toujours aujourd'hui des moteurs à combustion, on utilise toujours des ampoules à incandescence. On aurait dû évoluer autant, mais on ne l'a pas fait dans l'énergie. Moi, j'adore être en vol. Vous vous sentez mieux que dans n'importe quel autre moment de votre vie, simplement parce que vous êtes en dehors de votre zone de confort. Vous êtes en dehors de vos habitudes, vous êtes en dehors de tout ce que vous avez vécu. Et vous pouvez simplement vous ouvrir à ce qui est. C'est une expérience spirituelle. Est-ce qu'il y a un objet que vous rêveriez d'avoir encore ? Le manche à balai du module lunaire d'Apollo 11, le premier qui a posé sur la Lune. Mais ça, c'est pas dans mes moyens. Voilà ce que vous pouvez m'offrir. Est-ce que vous êtes matérialiste ? Non, je suis beaucoup plus dans le côté spirituel, mais je réalise que certains objets ont la capacité de me mettre dans l'état spirituel, de paix, de sérénité. Et c'est pour ça que certains objets me touchent beaucoup. Un hélicoptère, c'est pas très écolo, là, c'est paradoxal, non ? C'est pas encore écolo, ça va le devenir. Pour le moment, ça l'est pas. Au travail, ça l'est pas encore, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut développer ces technologies. C'est pour ça qu'on a essayé de montrer avec Soaring Pulse ce qu'on est capable de faire avec ces technologies qu'on a aujourd'hui à disposition. Et avec les batteries d'aujourd'hui, avec les matériaux qu'on a aujourd'hui, on peut construire un hélicoptère électrique, quelque chose qui décolle verticalement et qui vole aussi vite qu'un avion. Et vous verrez dans 5 ans. Dans 5 ans, exactement, ce qu'on pense être aujourd'hui de la science-fiction va devenir réalité. Donc c'est important de faire cette évolution-là. Est-ce que vous pensiez, quand vous avez démarré Solar Impulse 1 puis 2, puisqu'il y a eu deux avions, vous pensiez que ça prendrait autant de temps ? Non, je pensais que ce serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus court, beaucoup plus facile et bien meilleur marché. Et en fait, on a simplement réalisé que si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait avant nous. Si vous voulez réaliser l'impossible, si vous voulez faire quelque chose que personne n'a encore fait, eh bien, vous devez vous remettre en question, vous devez trouver des nouvelles solutions. Personne ne peut vous aider.
On s'est retrouvé souvent avec André à essayer de brainstormer sur des situations qui étaient impossibles. On était devant des murs fermés, sans porte, sans fenêtre. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on se remettait en question et on discutait et on allait chercher de l'aide. Et notamment dans tous les domaines. Des professionnels de l'aéronautique. Non, il y a très peu de professionnels de l'aéronautique qui y ont cru. Ceux qui nous ont aidés, c'est des gens du monde de l'industrie, de la chimie, des cosmétiques, des champagnes. Comment vous l'expliquez, ça? C'est surprenant. De l'extérieur, on ne comprend pas. Mais non, c'est normal. Ce n'est pas les gens qui ont vendu des bougies, qui ont inventé l'ampoule électrique. C'est d'autres gens. Vous savez, quand on est expert en quelque chose, on reproduit ce qu'on a appris. Et on ne regarde pas à gauche et à droite. Donc on a des œillères. On a des œillères. Nous, on n'avait aucune œillère dans ce monde-là parce qu'on n'était pas des fabricants d'avions. Donc on a pu créer quelque chose de complètement différent. Et maintenant que c'est fait, vous avez les grands constructeurs aéronautiques qui lancent des programmes d'aviation électrique. Mais au début, ils riaient. C'est intéressant de voir ça parce que d'un côté, vous avez un dilemme. Parce que vous pouvez choisir une équipe de jeunes ingénieurs donc qui n'ont pas cette expérience et peut-être cette prison autour d'eux ou ces murs autour d'eux. Par contre, ça prend beaucoup de temps parce qu'ils vont faire beaucoup d'erreurs. Et on voit ça sur certains projets aux États-Unis. Ou bien vous prenez une équipe expérimentée, mais elle aura beaucoup de peine à évoluer. Hein, donc on fera des petits pas. Il faudra 20 ans pour arriver en fait, au but qu'on s'est fixé. Donc vous avez choisi la première manière. Il faut mélanger. Non, ce qu'on a choisi, c'est la diversité, c'est le mélange, c'est essayer de mettre tous ces gens ensemble. Quelle a été la plus grosse contrainte, la contrainte la plus périlleuse? L'aventure. Ce n'est pas que en vol. Sinon, il y aurait eu 50 pages. Bien sûr, c'est sur Terre. Et on s'est dit, on a vécu 11 ans ensemble avant de pouvoir démarrer notre tour du monde et on va aussi le raconter. Et l'aventure, elle est là. Comment André a réussi avec ses ingénieurs, à construire un avion plus léger et plus grand que tout ce qui avait été fait jusque-là. On dit le poids d'une voiture. Hein. C'est le poids d'une voiture, elle a l'envergure d'un 747. Comment on a résolu nos peurs, nos angoisses, nos problèmes relationnels. Il y a des fois où on était en concurrence. C'est notre livre, au lieu de s'appeler Objectif Soleil, il aurait pu s'appeler Deux hommes pour un avion, parce qu'il n'y avait qu'un siège dans l'avion. C'était un monoplace, c'est sûr. C'est un monoplace, on est deux pilote passionné d'aviation. Donc, il a fallu aussi négocier entre nous qui volait quand. Alors, justement, André, est-ce que vous avez ramé, vous, pour trouver votre place? Parce que la tête de gondole, pardon Bertrand, mais c'est vous. Ramé, je pense que c'est un mot qui n'est pas assez fort, peut-être, pour expliquer ce qui s'est passé. Mais, disons que d'abord, j'étais au bénéfice de pouvoir réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je crois que j'en ai toujours été reconnaissant, mais je serai toujours reconnaissant finalement à Bertrand à cette rencontre-là. Donc ça ne m'a jamais quitté. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a développé notre partenariat, et ça c'est vraiment expliqué pas à pas en fait dans le bouquin, qui nous a amené à être peut-être de plus en plus égalitaires. Moi je suis rentré comme quelqu'un qui aidait à faire quelque chose pour devenir finalement quelqu'un qui était associé. Il a dû l'accepter, j'ai dû faire cette place-là. Donc c'est tout ce chemin finalement qu'on décrit. C'est tout ce chemin qu'on décrit. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile, mais je pense qu'on a toujours trouvé la manière de nous expliquer. On a toujours trouvé la manière d'écouter l'autre. Et ça, c'est vraiment important dans ces moments-là. Oui, c'est un livre de thérapie de couple, en fait. Exactement. Bertrand, vous ne saviez pas piloter. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut quand même le rappeler aux téléspectateurs. Vous ne saviez pas piloter. Est-ce que vous avez beaucoup subi de défiance? Alors, oui. Parce que le monde que André avait construit pour Solar Impulse, c'était un monde d'ingénieurs et de pilotes professionnels. Donc moi, arrivant du ballon, j'étais évidemment complètement mis de côté. Vous ne prenez pas au sérieux. Et là, j'en ai beaucoup souffert. Alors, je me suis un peu réconforté en me disant que quand j'ai lancé le projet de Tour du Monde en ballon, je n'étais pas non plus pilote de ballon. J'ai appris à ce moment-là à voler et puis j'ai appris relativement rapidement. Avec Solar Impulse, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et il y a des fois où c'était vraiment humiliant de lancer un projet, de le financer, de le diriger et en même temps de ne pas pouvoir voler dans l'avion dont je rêvais. Et quand j'ai vu décoller André pour le premier vol de nuit que je rêvais de faire et que je n'ai pas pu faire, c'était vraiment dur. Et je me suis dit, ben voilà, l'aventure, elle est là, elle est aussi humaine, il faut que j'apprenne ça, il faut que je me remette en question et que je sois meilleur. J'étais pas bon dans le pilotage avion au début. Et j'ai dû l'apprendre. C'était visible. Parce qu'imaginez-vous qu'une partie de l'équipe, moi je pense une grande partie de l'équipe, à un moment donné, s'est dit Bertrand ne volera jamais. Ensuite, il y avait une autre partie de l'équipe, ou peut-être ceux qui restaient, c'est mal le connaître, qui s'est dit ah ben, peut-être qu'il fera un vol, mais certainement pas plus. Donc il a fallu passer
au-dessus de ça, petit à petit, pas à pas. Donc ça, c'était un défi, oui. Un défi extraordinaire. Mais de mon côté, pour moi, c'était vraiment important que Bertrand puisse voler parce que c'était évident que ce projet ne pouvait aller à destination, qu'on pouvait réaliser ce tour du monde seulement si on le faisait ensemble. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire jusque-là. Ce n'était pas que le vol, c'était tout, quoi. Oui. Donc, on pouvait le faire seulement en partenariat. Donc... En tandem. Oui. Mais la leçon qu'on a retenue de ça, c'est que quand on est deux en rivalité, il ne faut pas essayer d'être meilleur que l'autre. Il faut être meilleur que soi-même. Et moi, j'ai appris à piloter des avions. André a trouvé des compétences. On est son propre ennemi, c'est mais, ça. Mais totalement. André s'est affirmé comme celui qui a dirigé l'équipe technique pour qu'on ait un avion. Moi, j'ai appris à piloter. On s'est complété. Ce qu'il ne faut pas, c'est essayer d'imiter l'autre. On ne peut pas imiter l'autre. Et on doit s'entraider pour cette stimulation à être meilleur. Les coulisses de ce tour du monde absolument historique par Alexandre Agar. Ouais ! Bon vol, André, mon ami, mon frère solaire. Le 9 mars 2015, après plusieurs essais à bord d'un premier avion, Solar Impulse 2 décolle d'Abu Dhabi. Aux commandes du monoplace, André Borschberg et Bertrand Piccard vont se relayer pour boucler le premier tour du monde en avion solaire. Avec ses ailes photovoltaïques qui captent l'énergie solaire et alimentent 4 moteurs électriques, Solar Impulse est un bijou de technologie qui, grâce à ses batteries, peut voler jour et nuit sans une seule goutte de carburant. Plus vous volez, plus vous avez d'énergie qui arrive dans l'avion et plus vous pouvez voler longtemps. Émirats arabes, Inde, Japon, Chine, États-Unis, Égypte, ils ont traversé 4 continents et 2 océans en 17 étapes, soit 23 jours de vol et 43 000 km à une vitesse moyenne de 80 km/h. Malgré quelques frayeurs, des vents violents au-dessus de la Chine, un atterrissage forcé au Japon et une immobilisation de 8 mois à Hawaï pour cause de batterie endommagée, l'aventure Solar Impulse compte de grands moments, comme la traversée du Pacifique, soit 5 jours et 5 nuits de vol d'affilée pour André entre le Japon et Hawaï. C'est tellement inouï d'être dans cet avion, de voler quasiment de manière perpétuelle que j'en ai les larmes aux yeux. Une aventure technologique, mais aussi une prouesse humaine, car les conditions de vol étaient extrêmes. Dans un cockpit de 4 mètres carrés, sans chauffage ni air pressurisé, les deux pilotes ont dû s'adapter en pratiquant l'auto-hypnose et des micro-siestes de 20 minutes. Si je me couche, en fait, perspective que ça peut donner. Donc j'ai la possibilité de reprendre les commandes instantanément. Mais le 26 juillet 2016, à l'arrivée à Abu Dhabi, Bertrand Piccard et André Borschberg pouvaient se vanter d'avoir réalisé le rêve d'Icar sans s'être brûlé les ailes. Bertrand, comment vous parliez à l'avion ? Je ne lui parlais pas, mais je le touchais. Ouais, peut-être que je lui parlais un petit peu. Avant les départs, je lui caressais le nez, je lui disais on va y aller, on va arriver de l'autre côté. C'était votre partenaire. La deuxième partie du Pacifique, l'Atlantique, je lui disais écoute, il faut vraiment qu'on arrive de l'autre côté. Et après, j'allais toujours lui dire merci. Et vous ? Moi, je parlais à l'océan, en traversant le Pacifique, vraiment chaque jour ou chaque matin, comme ça, je lui disais écoute, si je dois venir me rapprocher de toi, j'espère que tu m'accueilleras bien. Donc, finalement, une manière de prendre le scénario le plus difficile qui est de sauter en parachute, peut-être de nuit, et se retrouver là seul au milieu de l'eau tumultueuse, c'était peut-être une manière de créer un lien, finalement, un lien émotionnel. Maintenant, vous pouvez peut-être nous le dire, est-ce que vous avez pris des risques et vous avez mis votre vie en péril ? Moi, je ne trouve pas. Nous étions très bien préparés. Souvent, vous êtes parti contre l'avis des ingénieurs. Oui, ça aurait été une catastrophe de les suivre et de revenir au Japon. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus dangereux. Il fallait continuer sur Hawaï. Mais c'est vrai que c'était un moment de crise fantastique, là, qui prend beaucoup de pages dans le livre. Pourquoi des ingénieurs ? Mais c'était un psychodrame. Des ingénieurs qui ont construit cet avion, qui l'aimaient et qui voulaient le protéger, qui ne comprenaient pas que deux pilotes puissent prendre la décision de continuer alors qu'il y avait un petit problème technique à bord. Pour eux, c'était un énorme problème. Pour nous, c'était un détail. Et de continuer malgré tout. Mais si on avait suivi les ingénieurs ce jour-là, le projet se serait arrêté au Japon. Mais est-ce que vous pensez qu'ils tentaient de protéger l'avion ou ils tentaient de protéger vos vies ? Ils tentaient de protéger ce qu'ils aimaient, c'est-à-dire nous, notre avion. Et ils savaient que s'il nous arrivait quelque chose, leur vie aurait toujours ce goût de culpabilité. Et nous, on a passé des mois, peut-être des années, à essayer de les déculpabiliser, de leur dire « Mais ce n'est pas vous qui prenez les risques, c'est nous qui dirigeons ce projet, ce n'est pas vous. » Et ils nous disaient « Oui, mais si vous arrive quelque chose, nos vies sont perdues. »
C'est intéressant parce que finalement, c'est comme une réflexion qu'on a commencé très tôt. Il fallait éviter ce qui s'est passé pour Icare. Donc, il fallait éviter de monter trop et de faire fondre ses ailes. Pour nous, il fallait éviter qu'on se mette dans une situation où il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Donc, un avion de ce type-là, c'est très facile. Et c'était finalement le rôle de ces équipes, c'était le rôle de ces ingénieurs. Donc, ça, je pense que ça a très bien fonctionné parce qu'on n'a jamais eu finalement d'accident, on n'a jamais eu d'accident grave. Donc, ils ont su mettre les barrières où elles étaient. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous faites un projet de ce type-là, vous êtes peut-être obligé d'aller un petit peu au-delà. Est-ce qu'il y a un facteur chance ? Et c'est là qu'on a eu cette confrontation. Non, il n'y a pas de facteur chance. Il faut faire le saut de la foi, the leap of faith. Comme Indiana Jones, quand il voit ce gros trou, il sait que d'après son parchemin ancien, il doit passer. Il met le pied. Au moment où il met le pied, ben, il y a un support qui vient sous le pied et puis il arrive à traverser. Nous, c'était ça. On devait faire ce saut dans l'inconnu. Et si on ne le faisait pas, on serait resté dans notre zone de confort, on serait resté dans nos petits vols avec Solar Impulse autour de nos aéroports, on n'aurait jamais traversé d'océan, on n'aurait jamais fait le tour du monde. Et c'est là qu'il faut bien voir la différence entre le monde de l'exploration et le monde de la technologie. Le monde de la technologie étudie, calcule, okay, crée quelque chose qui existe. Une fois que ça existe, il faut l'utiliser. Et là, c'est le monde de l'exploration. Mais c'est de plus en plus difficile à faire ça, hein, parce qu'on est de plus en plus encadré de procédures, de règles, de manières de faire, de manières d'être, de manières de fonctionner. Et donc le monde, petit à petit, nous empêche de faire ces choses-là. Et de réglementation. Et de réglementation. Alors je peux vous promettre que dans l'avenir, s'il n'y a plus de grandes aventures, ce n'est pas par manque d'idées, ce sera par excès de bureaucratie. Est-ce que vous avez connu des grands moments de spleen, de découragement, où vous avez failli tout laisser tomber ? Alors jamais des moments qui nous ont donné envie de tout laisser tomber, parce qu'on s'est au contraire dit, c'est le moment où on doit s'accrocher pour réussir. Mais c'est ce qu'on raconte beaucoup dans notre livre. Même si vous étiez en désaccord parfois. Mais oui, mais c'est ce qu'on raconte, parce que ce qu'il faut, c'est que finalement, le lecteur se rende compte de ce qu'il y a derrière une aventure un peu pleine de panache et de gloire comme ça. Ce serait complètement faux de montrer que les beaux moments. Ce serait mensonger. Il faut montrer tout ce qu'il y a derrière également. Et peut-être que grâce à ça, les gens qui auront, eux, des buts dans leur vie auront un peu plus de courage pour traverser les moments difficiles parce qu'ils sauront qu'il y en a et que ce n'est que parce qu'on les traverse qu'on arrive à réussir. Alors, il y a d'autres, évidemment, qui expérimentent aussi des choses nouvelles, des exploits technologiques. Je voudrais qu'on évoque trois expérimentations assez extraordinaires. Je pense que vous en avez connaissance. C'est le Wingsuit. Ça, vous connaissez, hein, c'est le vol en combinaison, c'est spectaculaire, c'est des combinaisons ailées, un type de saut effectué à l'aide de cette combinaison de saut souple en forme d'aile. Il y a eu quand même quelques accidents, il y a eu, je crois, 6 morts quand même en 2016. Ça vous fait rêver ou pas ? Heureusement que ça n'existait pas quand j'avais 18 ans, parce que j'aurais fait ça, je me serais peut-être tué. Vous ne seriez plus là. C'est le rêve humain, finalement, c'est de pouvoir voler soi-même. Et de le faire en quittant une falaise, en ne devant pas utiliser un avion pour se propulser dans l'espace, c'est extraordinaire. Donc c'est vrai que c'est la liberté ultime. Mais puisque on le fait proche du sol, c'est vrai que le danger est à la hauteur de l'excitation que ça crée. C'est fantastique, mais c'est le degré de risque que je ne prends pas. D'accord, c'est casse-gueule, on va dire. Non, je pense que ça vaut la peine de le faire si on se sent capable de le faire, ou peut-être si on n'est pas père de famille comme je suis maintenant. Les taxis drones, alors ça vous en avez connaissance aussi, ça se passe à Dubaï, c'est-à-dire un transport par drone dès cet été, semble-t-il. Donc on se déplace rapidement, intégralement électrique, il y a une autonomie de 50 km, c'est autopiloté. Donc un contrôle à distance. Vous en pensez quoi ? Alors, j'étais à Dubaï cette semaine et j'ai vu à quel point ils sont avancés dans toute cette mentalité du transport propre. Et j'étais à une séance de distribution des prix de toutes ces nouvelles façons de voyager de manière écologique. Et on devrait vraiment en prendre de la graine ici. Alors André, ça, c'est là-dessus qu'il travaille en ce moment et j'espère que ça va se développer aussi en Europe. Mais c'est la science-fiction dont je parlais tout à l'heure qui devient réalité. Alors ici, c'est reprendre, je dirais, le drone qu'on connaît,
et mettre une personne à bord. Est-ce que ça sera la solution qu'on utilisera dans l'avenir? Je ne pense pas, mais c'est une étape qui est importante parce que ça montre que c'est possible. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est changer la mentalité, c'est-à-dire c'est d'être capable d'utiliser l'avantage du moteur électrique pour créer un nouveau design, pour créer une nouvelle solution. Et c'est là que vous avez besoin de nouveaux ingénieurs. C'est là que vous avez besoin de personnes qui sont capables de penser en dehors de l'avion traditionnel. C'est le problème qu'on a eu avec la voiture. Avec les voitures, on a toujours utilisé une voiture existante, mis un moteur électrique à l'intérieur, des batteries. On était étonnés qu'on ne faisait que 20 à 30 km. Et les constructeurs d'automobiles ont toujours dit pas d'avenir, pas de futur, pas intéressant. Jusqu'à ce que Elon Musk arrive, conçoive sa voiture autour du software, autour du moteur électrique, autour du batterie, et réalise finalement un nouveau produit qui est lui intéressant. C'est exactement ce qui va se passer. Quelles seront les applications alors de Solar Impulse maintenant, à partir de maintenant? Alors, il y a deux choses. Moi, je pense que dans moins de 10 ans, il y aura des avions électriques qui transporteront 50 personnes sur du court ou moyen courrier. Ça, c'est une évidence parce que les technologies le permettent. Et puis, l'autre chose maintenant... Donc, toujours des petits avions? Non, 50 places quand même. Ouais. Ce qui permet d'atterrir près d'une ville de nuit en gênant personne. Et c'est, ça montre de plus en plus cette tendance que quand on est plus écologique et plus propre, on peut avoir des avantages commerciaux. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être propre et rentable. Et pour moi, maintenant, le gros travail, c'est de créer l'Alliance mondiale des solutions efficientes, de manière à amener 1000 solutions rentables pour protéger l'environnement d'ici moins de 2 ans. La mousse isolante aussi du cockpit va être utilisée, c'est ça, hein, pour les réfrigérateurs. Elle est déjà utilisée pour des réfrigérateurs, elle est déjà utilisée pour des isolations de maisons. Et on gagne 20% d'isolation avec les mousses que Covestro a développées pour Solar Impulse. Comment vous avez vécu l'élection de Donald Trump? Je pense que... Climato-sceptique, bien sûr. Alors, il faut arrêter de tout focaliser sur le climat. Aujourd'hui, il s'agit d'être logique, pas seulement écologique. Il s'agit de voir que si on utilise des technologies propres, si on utilise des énergies renouvelables, si on construit des infrastructures durables, on va stimuler la croissance, faire du profit et créer des emplois. C'est comme ça qu'on va le faire. Ce n'est pas en continuant à vendre des produits polluants comme on a aujourd'hui. On n'aura pas de croissance si on fait ça. Et ce que doit comprendre le président américain, c'est que dans son plan de redressement économique du pays, il doit inclure ces nouvelles technologies. Vous lui avez demandé audience? Oui. Vous l'avez obtenu? Vous n'avez pas de rendez-vous? Ce n'est pas le moment. Pour l'instant, il est en train de se dépêtrer dans tous ces problèmes de mise en place de son cabinet. Je pense que dans la deuxième partie de l'année, je pourrai aller le voir. Ce que je trouvais inquiétant dans cette élection, et ce n'est pas seulement dans cette élection, c'est dans le monde, c'est qu'on est en train de s'éloigner du concept de démocratie. On a construit des démocraties et, qui sont basées sur finalement, la liberté, la responsabilité peut-être, mais des répartitions de rôles et de responsabilités entre le gouvernement, le législatif, l'exécutif et puis le judiciaire. Et on voit émerger des gouvernements dans différents pays qui essayent de reprendre finalement le contrôle sur ces différentes choses, et c'est ce dont Trump rêve. Donc lui, il rêve de mettre le judiciaire sous tutelle, on l'entend tous les jours. Hein, donc on a une dérive finalement de notre système démocratique en ce moment, mais qui est voulue finalement par les peuples, c'est ça qui est intéressant. Donc on a vraiment une transformation qui est alors, vous allez voir notre complémentarité là, parce que je suis tout à fait d'accord avec le début, j'ai l'impression que ce n'est pas les peuples qui le veulent, j'ai l'impression que c'est la faillite des gouvernements qui ont essayé de gouverner depuis 20 ou 30 ans. Donc notre système. C'est notre système qui fait qu'on n'écoute plus la population, que les gouvernements font du management, c'est-à-dire gérer le court terme et réagir, plutôt que de faire du leadership, c'est-à-dire de donner des visions et d'expliquer à la population pourquoi il faut essayer de les réaliser et comment on va le faire. Et s'il n'y a pas de leadership, que la population se sent complètement négligée, se sent mise de côté, eh ben, elle va réagir, elle va voter populiste, elle va voter pour ceux qui leur promettent des visions. Mais c'est quand même un choix. Mais c'est juste la cause, et je pense comme tu l'expliques, mais finalement c'est quand même un choix populaire de vouloir un type de gouvernement différent des gouvernements démocratiques dont on a l'habitude. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, dans le livre, vous taclez le président Sarkozy. Hein, vous dites, oui, alors il a applaudi, formidable. Il a dit, évidemment, que Solar Impulse, c'était la voie du futur. Et puis, par suite, il a déclaré à l'industrie nucléaire que le solaire ne marchera jamais, puisqu'il n'y a pas de soleil la nuit. Exactement. Tout ça à 2 semaines d'intervalle. Mais vous savez, c'est un peu ça, le problème. Quand on fait des promesses à tout le monde... Après, on ne peut plus rien faire, on est paralysé. Alors, on promet du solaire, on promet du nucléaire, on promet du pétrole, on promet du charbon. Donc, il n'y a pas de cohérence. Et puis, il n'y a pas de cohérence. Donc, ce dont la population rêve maintenant, c'est d'avoir des gouvernants qui annoncent à l'avance ce qu'ils veulent faire et qui le font.
Est-ce que vous êtes prêt à un autre exploit? Là, sur le plateau de Thé au Café. Je pense qu'il ne faut jamais refuser une opportunité de sauter dans l'inconnu. Mais qu'est-ce que ça va être? Un avion en papier. Ah, oui. Ça va nous rappeler les bons moments, oui, de la jeunesse. Nous aussi, hein, vous aussi. Je peux vous assurer que... Je vais voir si j'arrive encore à faire. Vous l'avons tenté. Mais bon, il y a tellement de... Hein, c'est des vieux souvenirs. Il y a tellement de formes différentes. Hein. Ouais, exactement. Oui, exactement. Oui. Même on peut aller jusqu'au Concorde, mais ce n'est pas un Concorde là que vous nous préparez. Non, on fait... Non, quelque chose d'assez classique. Quelque chose d'assez rapide. Oui. Ce n'est pas le Solar Impulse. Qui sera motorisé par les forces thermiques. C'est un avion rapide, oui, ou un avion lent? Vous allez le lancer tous les toi, deux. Hein, on va faire je l'ai fait de manière bizarre. Oui. Parce qu'il a celui-là. Écoute, coup. Il est très beau. Ah oui, non, parce que j'ai oublié une partie, c'est vrai. Bon, je n'ai pas le temps de régler les ailerons. Bon. Et tous les deux, vous allez le lanceur avoir celui qui est le plus performant. Je m'appelle Condré, quand même ingénieur, mais moi je suis psychiatre. Donc moi j'imaginerais l'avion qui vole bien. J'ai un petit peu de retard, mais c'est vrai que le mien il est un petit peu plus compliqué que je pensais. T'as pris quelque chose de très sophistiqué là. Oui, mais j'essaie de le faire de manière assez. Voilà, tac. On ne le connaît pas celui-là, il n'est pas commercialisé. Hein. Si, si. Si, oui. Voilà. Et il faut déjà un petit peu l'équilibrer aussi. Oh là là. Là, on sent quand même l'ingénieur. Non, c'est les souvenirs qui reviennent en faisant cette vidéo. Attends, alors si tu mets autant de temps, moi, je vais rajouter encore un petit changement au mien. Ils sont perfectionnistes, les garçons. Ça doit faire un petit peu. On se stimule toujours mutuellement. Est-ce que tu as fait un stabilisateur vertical aussi? Écoute, je n'ai pas fait, parce que sur Solar Impulse, un petit aérofrein. La grandir. Voilà, est-ce qu'on est prêt? Oui. Hop, voilà. Bon, on verra si c'est un désastre ou pas. Alors, attention, rouge ou vert. Ah ben voilà, bravo. Bravo André. Comme quoi, hein, il a peaufiné, c'est l'ingénieur. Ouais. Mais ça a dû revenir, vous avez vu. Et hein, même en papier. C'est marrant, ça a pris un petit peu de temps pour souvenir des bons gestes, etc. Pas mal. Mais je trouve que c'est assez révélateur. Mais le résultat, c'est que moi, j'ai encore le mien, donc toi, il n'y a plus le tien. Voilà, celui-là, il s'est aplati hein, sur le sol. Quels sont les soleils de vos vies? Notre famille. Vos familles, vos compagnes, vos épouses. Nos épouses. Oui. Elles ont été... Nos enfants. Enfants. Bien sûr. Petits-enfants, déjà. Elles ont été très présentes, toutes les deux, très présentes. Les grands-pères peuvent faire des grandes aventures. C'est réconfortant. Elles ont été très présentes, elles vous ont beaucoup soutenues et elles ont accepté de témoigner sur vous, André et Bertrand. You keep saying you got something for me. Depuis que je le connais, André, c'est un aventurier. J'utiliserais plutôt pour Bertrand le terme d'explorateur plutôt qu'aventurier. Le moment où j'ai plus peur, le plus d'émotion, c'était quand il a eu son avalanche. Quand il était sous un tas de neige et puis il pouvait même pas ouvrir ses yeux. Il a un ange gardien. On voit toujours la femme de Bertrand comme une femme qui a peur et qui attend. Et je dirais que moi, je me sens pas du tout dans ce schéma-là. On fait face à la peur, c'est ça qui est intéressant. Je respire bien. C'est la respiration, c'est mon ami, en fait. Tout de suite, ça soulage, ça remet le point sur les i. Je pense pas que Bertrand, quand il s'engage, il a peur parce que Bertrand se prépare. Il se visualise et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important chez lui. André, il n'est pas nécessairement superstitieux parce que c'est un homme technique, c'est un scientifique en fait. Hein. Parce que moi, je suis assez superstitieuse. Quand il vole, toujours il a dans sa poche un œil bien plus petit que ça, mais un œil bleu contre le mauvais œil, contre... Ça porte bonheur, ça porte la chance. Bertrand est quelqu'un de sensible, même s'il montre une certaine assurance. Il a une très forte émotivité. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs, beaucoup de découragement par moment. Mais tout ça, c'est la vie. Bertrand, c'est mon mari, c'est mon amoureux, c'est le père de mes enfants. Et je ne pense pas qu'on le voit comme un héros, on le voit comme... Parce qu'il a aussi ses moments de doute, ses faiblesses. Je ne peux pas dire que c'est mon héros. C'est mon ami, c'est mon amant, c'est... Mais héros,
J'y pense pas, non. C'est simplement un message très simple. C'est arriver à juste se retrouver dans une vie un peu normale. Mais il faut continuer, il faut y aller, il faut... Voilà, il faut pas oublier le cœur. Il ne faut pas oublier le cœur, il ne faut pas oublier une vie normale. Est-ce que vous n'êtes pas deux êtres égoïstes? Moi, je suis un peu égoïste. Je suis un peu égoïste, mais je me soigne. J'ai une femme qui m'a appris à être beaucoup plus généreux, à donner beaucoup plus. Et puis avec André, j'ai appris à partager un peu plus. Partager le siège de Solar Impulse, partager la célébrité autour de ses projets, etc. Donc je pense que je suis beaucoup moins égoïste que ce que j'étais autrefois. Et j'ai encore quelques années devant moi pour m'améliorer encore. On est toujours perfectible. Vous, par rapport à la famille? Mais de vous écouter, d'écouter Bertrand, d'écouter ces quelques mots, peut-être, oui, j'y pense peut-être pas assez. Hein, donc merci pour ce petit cadeau, cette petite réflexion. J'espère pas, mais certainement qu'il y a un petit peu de ça, malheureusement. Mais c'est difficile de trouver un équilibre entre... parce que finalement, le fait d'accomplir quelque chose que l'on recherche fondamentalement, c'est aussi accéder à un certain bonheur qui permet de mieux de partager après. Alors il faut éviter le après, il faut essayer de le faire pendant aussi. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. Je vois un petit peu comment Bertrand fonctionne aussi, mais c'est peut-être pas assez. Vous savez, il y a un passage intéressant que j'ai découvert d'André dans le livre qu'on a écrit ensemble. C'est la visite qu'il a faite à la maison de Gandhi à Ahmedabad, où il y a cette citation de Gandhi qui dit que si on consacre sa vie au bien des autres, c'est pour son propre développement. Et ça, j'avais jamais vu cette citation. Et j'ai vu dans le manuscrit André qui a écrit ça, je me suis dit, mais c'est tellement intéressant parce que s'il n'y a pas un petit peu d'égoïsme, peut-être qu'on ne va jamais être altruiste. Tous les deux, il y a un exploit que vous connaissez, Bertrand, puisque vous êtes déjà venu sur le plateau Thé au Café. Vous, André, vous ne le connaissez pas. On va le partager à trois, ça s'appelle un dos à dos. Deux ados avec vous et des réponses du tac au tac. Quel talent vous aimeriez avoir, André? Musicien. J'adorerais faire de la musique. Bertrand. Chanteur. Bertrand. C'est comme... On peut faire un orchestre, les deux. Pourrait, hein. Bertrand, votre geste le moins écolo? Je prends plus souvent le taxi que le métro. André? Si je regarde en consommation d'énergie, c'était malheureusement pilote de chasse. Est-ce que vous avez une bonne opinion des évadés fiscaux français en Suisse? Je pense que c'est plus facile de vivre quand on est en harmonie, d'abord avec soi-même, ensuite avec sa famille, ensuite avec le système. Et je pense qu'on se fait plus de mal personnellement, indépendamment du système, lorsqu'on commence à devoir biaiser, cacher, etc. Bertrand, vous avez trois filles. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir un garçon? Au début, je voulais un garçon. Et je me dis que c'était un choix complètement ridicule, parce que le garçon aurait eu beaucoup de peine à trouver sa place après trois générations d'explorateurs. Et je crois que c'est très très bien d'avoir trois filles qui n'ont pas la pression, qui peuvent finalement choisir leur propre voie. Donc je ne regrette pas du tout. Bertrand, quelle partie du corps vous aimeriez échanger avec André? Les cheveux. Et vous, André? Mon nez. Le luxe, André, dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? Ma brosse à dents. Bertrand, la dernière fois que vous avez atteint le septième ciel? À l'atterrissage de Solar Impulse à Abu Dhabi, quand je me suis dit, nous avons enfin réussi. Et ça, c'est un moment fantastique. Et vous, André? Hier matin, mais je ne vous dirai pas pourquoi. André, chez quelle personnalité vous aimeriez pouvoir entrer en catimini? Je pense que celle d'une femme. Hein, je suis... toujours impressionné ou étonné, non, plutôt étonné par leur approche complètement différente de la mienne. Donc d'être pour 24 heures une fois dans le cerveau d'une femme, ça doit être très intéressant. Bertrand, la critique qui vous a le plus blessé? C'est de dire que Solar Impulse
aurait très bien pu être télécommandé sans pilote et que s'il y avait un pilote, c'était uniquement pour transporter notre ego. Bertrand, un scoop que vous n'avez jamais révélé sur ce qui s'est passé dans les airs ? Ce que je n'ai jamais révélé, non, on a tout révélé finalement. On a écrit dans notre livre tout ce qu'on avait vécu, toutes les difficultés qu'on a eues, tous les problèmes. Même la fois où il y avait tellement de turbulences et j'étais assis sur les toilettes de Solar Impulse avec les pantalons sur les chevilles, et c'est là qu'il y a eu la plus grande turbulence. Et je n'avais même pas le parachute sur le dos pour pouvoir sauter en cas de problème. André, le rêve que vous n'avez pas encore réalisé ? Jouer dans un orchestre avec un instrument. Bertrand, on sait que vous aimez Rod Stewart. Et vous, André et Véronique Sanson, alors, je vous laisse choisir. Bah, moi, vu que je connais déjà les chansons que j'aime, autant écouter celle d'André. On écoute Véronique Sanson ? Ah bah, c'est sympa, ça. Un bon compromis. C'est laquelle, celle-là ? Drôle de vie. Ah ouais. Elle est drôle, non ? Oui. Votre vie, elle est plutôt drôle. Est-ce qu'elle est drôle parce qu'elle est fascinante ou elle est amusante ? Non, elle est drôle parce qu'il se passe toujours des choses que vous ne prévoyez pas. C'est ça qui est exceptionnel. C'est ça pourquoi la vie est fabuleuse et merveilleuse. Et pleine de fantaisie. Exactement. Eh oui. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Alors, je rappelle Objectif Soleil, on sait tout, on apprend beaucoup de choses sur cette aventure technologique, mais sur cette aventure humaine, et puis aussi sur ce qui se passera par la suite. C'est-à-dire qu'elle va être notre monde qui est presque palpable, vous le disiez, hein, 3-4 ans. L'aventure Solar Impulse, c'est aux éditions Stock. Je voudrais vous offrir ce livre de Michel Simès. Ça va vous intéresser. J'aime beaucoup Michel. Bien sûr, et nous tous. C'est une étude, en fait, il étudie le cerveau, mais d'une manière évidemment grand public. Est-ce que vous avez un cerveau plus fort? Vous savez, on dit côté droit, côté gauche. Vous y croyez à ça? Alors oui, j'y crois beaucoup. Et je pense qu'on est très complémentaires là aussi, André et moi. Quand on a fait des tests d'hypoxie, donc de manque d'oxygène dans une chambre de dépressurisation, on a dû enlever notre masque et faire une activité. Et André faisait des calculs, moi j'écrivais un poème. Donc je crois que ça marque vraiment notre synergie. Et c'est ça qu'on a essayé de développer aussi, finalement. Hein. Chacun a essayé de développer la partie du cerveau dans laquelle il était peut-être le moins apte, le moins fort, le moins entraîné. Donc c'est pour ça que la concurrence n'était pas avec l'autre, la concurrence était avec son cerveau lui-même. Alors, il dit d'ailleurs, Michel Simès, que le cerveau, c'est une tour de contrôle et évidemment qu'il faut entretenir. Je vous l'offre, alors je ne sais pas, vous le passerez ? On le prend chacun avec une main. Bon, voilà, c'est ça. Merci à Odile Frachet. On a écouté Véronique Sanson, je te laisse commencer. D'accord, super. Odile Frachet exposée sur le plateau de Thé ou Café. Elle expose d'ailleurs du 18 au 26 mars à la Chartreuse, rue des Bruyères à Sèvres. Le travail d'Odile Frachet s'illustre par l'abstraction figurative, dans lequel elle inclut papier, photos, gravures. Il y a aussi de très belles sculptures, de belles céramiques. Nous, on apprécie beaucoup. Son nom, Odile Frachet. En tout cas, merci pour cette belle fraternité entre vous. Voilà, c'est aussi une belle leçon, un beau message. Et d'ailleurs, si vous regardiez la caméra qui est face à vous, vous diriez comme ça, pour terminer l'émission, à ceux qui nous regardent ce matin, en deux mots, une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Ayez le courage d'accomplir vos rêves. Ayez le courage de passer à travers vos peurs, vos angoisses et vos doutes. Ça vaut vraiment la peine de l'autre côté, c'est magnifique. Ouais. Soyez persévérants, continuez, n'ayez pas peur si ça prend plus de temps. Allez-y. Allez-y, voilà, on va garder ce message. Samedi prochain, c'est Nicolas Bedos qui sera là. Il nous parlera de son premier long métrage. Il est devenu réalisateur, il joue aussi dans ce film. C'est un très, très joli film qu'on a plaisir à défendre. Et puis le lendemain, ce sera le comédien Pierre Arditi qui sera aussi sur le plateau de Thé ou Café. Portez-vous bien, passez une très bonne journée. L'émission, elle est rediffusée, bien sûr, cette nuit. Vous pouvez la voir sur plus.fr et puis sur notre site, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et puis, on continue, évidemment, à échanger sur Twitter. Passez une très, très belle journée. Passez aussi une belle semaine. Au revoir, merci. À samedi prochain. Au revoir.
On fait le selfie? Oui.